bien voilà, je suis en train d'attendre les premières lueurs du soleil sur le château de Fontainebleau. Alors il y a un petit vent frais, ça pique un petit peu, il est 5h30 du matin. Il y a une petite brise qui fait qu'on a des micro-vaguelettes sur l'étendue d'eau qui est juste devant moi. Et ça c'est un petit peu frustrant parce que deux choses sont problématiques, en tout cas dans ce que j'aime faire en photo. C'est le ciel, là il est. Il n'y a pas un nuage. C'est terrible parce qu'il ne va pas y avoir forcément de super contraste dans le ciel. Et au niveau de l'eau, j'aurais espéré une eau absolument calme avec un beau reflet. Et bien à cause de cette petite brise, il y a des micro-vaguelettes. Ce qui fait que j'aurais voulu compenser en jouant sur le reflet. Et bien ça va être un petit peu plus difficile. Donc pas de nuage, pas forcément de reflet. Je vais voir ce que je peux faire. Mais ça risque d'être un petit peu tendu, on verra ce qui se passe lorsque le soleil va pointer son nez et que ça va obligatoirement changer l'aspect puisque voilà, ça va réchauffer un petit peu tout ça. Et automatiquement la nature, le vent, les choses vont réagir en conséquence, donc on va voir ce que ça donne. Bon, je vais quand même peaufiner mes premiers réglages. En jouant sur mon ouverture, je vais faire en sorte d'avoir des poses très longues qui vont me permettre de lisser un petit peu l'eau. Alors ça va pas me faire forcément gagner en reflet, mais ça va m'éviter toutes ces petits granulés justement de vaguelettes sur l'eau. J'ai mis un petit retardateur à 2 secondes, je suis à 10 secondes de pause, voilà, je lance, on va voir ce que ça donne. On va vraiment jouer peut-être sur des tons pastels ce matin, on va voir ce que je peux aboutir. Je suis déjà en train de projeter ce que je vais pouvoir faire en post-production ensuite lorsque je vais développer mon image. Hop, je vais voir ce que ça donne. On est pas mal. On est pas mal. On gagne en reflet grâce à ça. Je vais descendre mes ISO. Hop, toc. Je vais donc pouvoir à ce moment-là augmenter mon temps d'exposition, fermer mon diaphragme pour encore plus augmenter mon temps d'exposition. Là, je vais être à 25 secondes. C'est parti. 2 secondes et 25 secondes de pause. Voilà, donc là pour l'instant c'est très calme, c'est très appréciable. Il y a juste les oies qui sont en train de faire un vacarme d'enfer. Je sais pas ce qui leur arrive. Voilà, là le soleil normalement, lorsqu'il va percer au-dessus des arbres qui sont là-bas, ça va vraiment vraiment être sympathique. Je devrais justement avoir toute la façade du château de Fontainebleau qui va venir vraiment s'éclairer en faisant des belles parties ensoleillées et des belles parties dans l'ombre. Voilà, des belles projections d'ombre sur la bâtisse, et ça devrait être intéressant. 25 secondes de pause. On est pas mal. On n'est pas si mal. Ça c'est justement le fameux filtre ND10. Voilà, on va dire c'est une, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est une espèce de grosse lunette de soleil pour l'appareil photo. Lorsque vous utilisez donc le filtre ND, vous avez tout simplement un temps d'exposition qui change. Alors moi je me suis fait tout simplement un pense-bête sur ma boîte de filtre qui va me permettre de dire en temps normal, lorsque par exemple je suis au 125e, et ça veut dire que je dois convertir mon temps d'exposition pour l'amener à 8 secondes et ainsi de suite. Donc j'ai ma petite grille de repères, ce qui fait que là je vais regarder à peu près mon temps d'exposition.
Et là, pour le coup, en toute logique, hop, je vais être autour de 4 minutes de pause quand même. Voilà, alors mon téléphone me sert de chronomètre, ça va me permettre vraiment de savoir où j'en suis. Ce qui devient un petit peu difficile, c'est que j'estime qu'il y a 3 minutes d'exposition, mais potentiellement le soleil va se pointer, va illuminer de plus en plus pendant la prise de vue, pendant ces 3 minutes-là, et ce qui fait que ça peut être amené à cramer l'image. Donc il faut être assez attentif pour compenser et se dire en fait non, je vais peut-être pas aller jusqu'au bout des 3 minutes et couper avant, donc regarder les choses en sachant qu'à la pointe d'un des toits du château qui est en train de prendre légèrement les reflets du soleil. Donc le soleil devrait pas tarder réellement à éclairer tout ça. Il va vraiment changer l'aspect général de la scène. Alors le jour se lève, voilà, la façade du château est en train de prendre les premières lueurs du soleil. Et ça, c'est génial. Je vais arrêter la pause longue que j'étais en train de faire. Voir ce que ça donne. C'est cool. Hop. Je peaufine légèrement mon réglage. Et maintenant, je relance une pause longue. Alors là, faut vraiment que je me méfie parce que le soleil va vraiment rajouter de la luminosité sur la façade, ce qui va vraiment changer mon temps d'exposition. Donc mon temps d'exposition précédemment était de 3 minutes et là je vais le raccourcir au fur et à mesure en fonction vraiment de l'intensité lumineuse qu'il va y avoir sur le château. Mais l'avantage c'est que là ça me donne des couleurs sur le château orange, rose et c'est super joli. Là le but du jeu ça va être de fixer mon cadrage et je ferai peut-être ensuite des expositions pour on va dire compenser le ciel et même peut-être faire une exposition encore plus longue, voilà, mais en trichant vraiment sur mon temps d'exposition et mes réglages pour maximiser mon temps d'exposition justement et avoir une eau très très lisse, voilà. Et bien voilà, c'est ici que j'ai fini les essais. J'espère que cette petite aventure vous aura plu. Moi, ça m'a fait bien plaisir de venir ici faire le lever de soleil. Et voilà, les petites poules d'eau et leurs petits. C'est quand même un beau petit spectacle. Voilà, ils sont tout ébouriffés. Ils sont pas vieux du tout, ces petits-là. Calmez-vous, je vous veux pas de mal. Voilà. En tout cas, moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures dans des lieux complètement différents, peut-être avec un format complètement différent. Mais en tout cas, d'ici mon prochain vlog, portez-vous bien, faites de belles photos et vivez de magnifiques aventures. À bientôt.